Sophie, le lookbook est terminé. J'espère vraiment que celui-ci vous aura plu. L'idée de ce lookbook, c'est vraiment de vous donner des idées, de vous montrer que finalement, même en automne, hiver, quand il commence à faire froid, on peut toujours rester classe. J'ai vraiment essayé de choisir sur le site de Modanisa des pièces, on va dire tendances, qu'on a vu, en tout cas, pas forcément des pièces, mais en tout cas des imprimés, des motifs, des choses qu'on a vues sur les défilés. Donc oui, il y a beaucoup d'imprimés léopards, zèbres, on a des carreaux. Mais l'idée, c'était vraiment de trouver des idées pour porter ça finalement au quotidien sans que ça ne fasse trop. Personnellement, le léopard, j'avais du mal, mais finalement, à force de voir, et c'est vrai que ça revient, c'était déjà tendance l'année dernière, c'est encore, la tendance est toujours d'actualité. Donc du coup, c'est vrai que si vous n'aimez pas, vous pouvez vraiment jouer sur des plus petites pièces. Alors, je vous ai montré le look avec la robe, mais vous pouvez tout simplement mettre, je sais pas moi, des petites boucles d'oreilles, avec un look tout simple, ou alors une petite paire de, une petite touche, quoi, voilà. Je voulais juste revenir sur quelques petites pièces, alors, que j'aime, on va dire, un petit peu moins. Donc celle-ci, cette jupe là, la jupe est très belle, vous portez, je trouve qu'elle est super jolie, mais le tissu, je le trouve moins joli par exemple que cette jupe-ci. Où elle est celle-ci. Alors cette jupe là, les filles, elle est juste trop canon, franchement elle est trop canon, la longueur, la coupe, elle est juste top, franchement ça c'est un coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur. La dernière pièce, c'est cet ensemble ici dont je voulais vous parler rapidement. Je trouve pas mal, il est chouette, c'est juste que, donc c'est une taille SM hein. Le pantalon, je trouve qu'il a un chouïa trop court, sinon voilà, l'idée est vraiment top, vous voyez, très tendance avec les carreaux et tout ça. En tout cas, que ce lookbook vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, l'idée d'un haul ou d'un lookbook, en tout cas pour moi, ce n'est pas de vous inciter à acheter, c'est vraiment de vous donner des idées. Après, c'est clair que des fois, comme vous, quand je regarde une vidéo et que vraiment je flash sur une pièce, je vais aller acheter la pièce, mais vraiment c'est pour vous inspirer et pour dénicher finalement des petites perles sur le site. En tout cas, je me suis vraiment amusée à créer ce lookbook. J'espère vraiment les filles que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager, parce que mine de rien, là c'est un lookbook avec un bébé, donc je vous laisse je vous laisse imaginer voilà, tout ce qu'il fallait gérer derrière, aller me changer, revenir, ceci, cela, mais finalement il a été hyper sage et franchement il s'est bien amusé avec avec les jouets que j'ai mis à disposition. Alors, à la base je voulais vous faire un look comme d'habitude avec un fond blanc, et finalement je me suis dit mais non, en fait finalement je suis maman et c'est la réalité de ma vie, on va dire c'est ma vraie vie, et j'ai trouvé vraiment sympa de faire la vidéo sous ce format. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, il y a un code promo donc de 20% qui vous donne droit à la livraison gratuite. Et à quoi? Et à 20%. Et à 20%. Donc with Hasnabi, je vous laisse ça en barre d'informations. Avant de vous quitter, dites-moi quelle tenue vous avez préférée, celle que vous avez moins préférée. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. With Hasnabi, tout est en barre d'informations. Bye.